Cette saison 6 des apprentis aventuriers continue sur W9 et est plus explosive que jamais. Entre hostilité et incompréhension, les candidats semblent mal supporter les conditions de vie difficiles. Si est-il le cas de Romane? La jeune blonde a attisé la haine des internautes, exaspérée par son comportement envers son compagnon, Anthony. La faim et la fatigue ont peu à peu raison de nos pauvres candidats. La sixième saison des apprentis aventuriers, menée par l'ancien candidat de Koh-Lanta Laurent Mestret, propose un cocktail explosif d'émeubrouilles et de malentendus. Car sous leurs moustiquaires, dans leur petite hutte de palmier, les binômes de la saison 6 se battent pour survivre. Égare à ceux qui ont peur des insectes. Dans ces conditions hostiles, les nerfs des aventuriers sont mis à rude épreuve. L'inconfort les rend agressifs. Dès les premiers épisodes, certains participants sont sortis du lot. C'est le cas de Romane, en binôme avec son chéri Anthony Matteo. En effet, la jeune femme, qui a fait polémique en faisant pipi sous la douche, a privilégié une stratégie du chacun pour soi avec son copain. Et l'attitude égoïste de ce couple a choqué les internautes. Pour se nourrir, les candidats étaient partis à la recherche d'ananas. Or, Anthony Matteo est parvenu à en trouver un, et sa chérie Romane a insisté pour qu'il cache sa découverte aux autres, pour qu'il la mange plus tard. Ce mercredi 22 février, la belle blonde a une nouvelle fois choqué la toile en s'attaquant à son chéri lui-même, qui fait pourtant tout pour sa belle. Tout va bien, j'existe pas. Romane rejoint le groupe d'aventuriers et tire une tronche d'enterrement. Aussitôt, elle demande à son chéri, agressive, « Tu t'es douché ?» Ce à quoi il répond positivement. De mauvaise humeur, la jeune femme l'attaque, « Tu vas me laisser me doucher toute seule avec les migales ? Pourquoi tu m'as pas attendu ? Tu fais trop ta vie toi quand je suis pas là. » Tout va bien, j'existe pas, enchaîne-t-elle. Aussitôt, il s'excuse et l'accompagne. Le soir venu, elle lui crie littéralement dessus, alors qu'il essaye de lui faire manger quelque chose, « Je suis faible. Je suis pas bien. » En voilà une qui ne supporte pas la faim. Sur Twitter, les internautes se sont déchaînés sur la copine d'Anthony, elle traite Anto comme un chien. Romane si est-il un vrai fardeau, Romane est chiante, à la place d'Anto je l'envoie chier, Romane elle peut rien faire sans son mec et faut qu'il lui soit totalement soumis. Fabrice semble être le seul aventurier à comprendre qu'il faut jouer avec un esprit d'équipe.